sont exactement les mêmes règles. Voilà, mais oui. C'est un jeu où on tire quatre flèches. Ah, il y a un piqué, il y a deux piquets, ou il y en a quatre. C'est simple, un piqué, les quatre flèches du même endroit, deux piquets, deux, quatre piquets, une par piqué. On tire toujours dans la même cible. Sauf. L'éventail. Le Z, ou appelé la cuisinière. La gazinière. La gaz. On cuisine pourtant. Merde. On gazine pas. Oui, c'est une bonne femme. Première flèche en haut à gauche. Une bonne femme. Seconde en haut à droite. D'autres disent quoi. Le Z, le sens de la lecture, comme on lit un livre. Bah oui. C'est pas compliqué. Sauf s'il y a en haut et qu'il y a de l'ombre. Sauf s'il y a de l'ombre et que la flèche d'en haut. Non, c'est autre chose. La deuxième exception. Non, c'est pas lire, quand vous avez deux blasons comme ça, et que les quatre piquets sont exactement à la même distance, c'est-à-dire les 4 à 28, les 4 à 32 ou les 4 à 36. Si vous avez deux blasons, les deux piquets de gauche se tirent dans la cible de gauche, les deux de droite dans la cible de droite. C'est uniquement pour éviter le croisement de flèches dans la cible. C'est les seules exceptions. Quand vous avez un pas de tir à 14, 15 yards, les deux fois deux, on tire tout dans la même cible. Voilà. Il y en aura toujours qui vous diront, mais non, c'est de la droite, de la gauche. Non, c'est tout. Bravo. C'est tout le règlement. Totalement coupé pour bénéficier de la zone supérieure. Prenez des grosses flèches. La petite différence avec le blason du field qui n'a pas de cordon, il suffit d'être en contact avec la couleur supérieure pour marquer le point. Mais là, il y a des cordons, donc le problème ne se pose pas. Et on n'appuie pas sur le fût pour couper le cordon. Hein. On retient bien la flèche droite. Hein. Aujourd'hui, donc, vous avez 14 sites. C'est les 14 tirs officiels. On tire par deux. Le piqué étant un repère central, un archer peut se mettre jusqu'à un mètre à droite, l'autre un mètre à gauche. Quand vous êtes confronté à ce genre de blason, il y en a un évidemment qui va tirer toutes ses flèches à gauche, c'est celui qui est à gauche, tout seul à droite. Okay. Ah bon ? Et ces deux flèches ? Merde, j'aurais croisé. Sur ces blasons-là, sur ce blason-là, tu tireras toujours quatre flèches, mais deux. Sur ces blasons-là, tu as soit deux piquets de tir, de deux distances différentes, soit quatre piquets de tir qui sont exactement la même distance. Donc si c'est deux distances différentes, tu tireras toujours tes flèches dans la même cible. Si c'est les quatre distances identiques, les deux flèches des piquets de gauche à gauche, les deux à droite. On tire par deux. Pour l'éventail, l'archer numéro 1 commence au piquet le plus à gauche. L'archer numéro 2 commence au troisième piquet pour d'entrée tirer ses deux flèches à droite. C'est pas compliqué. 1, 3, 2, 4. Oui, c'est très technique. Le field, c'est pas comme le chasse, on n'est pas obligé. Celui qui a tiré premier la cible 1 ne va pas passer le dernier archer. En principe, on garde le même ordre. Mais le parcours est censé être de 28 cibles, donc toutes les 14 cibles on change. Là, même au championnat de France, là, on laisse un peu les gens se démerder. On peut échanger à la 7e cible. En théorie, celui qui est 1 va passer 3, c'est-à-dire celui qui était le premier qui va tirer à gauche du piquet, à la 7e cible, va être celui qui va tirer plutôt à droite. Ok ? Mais ça, voilà. Après, pour le championnat de France, sachez-le, souvent, le Z est présenté en 4. On met 4 cibles. Il est de bon ton. Seulement de mon ton, c'est pas une obligation, que les archers qui tirent en premier prennent les blasons du bas. La raison est simple, c'est que s'il y a du soleil, quand on a tiré les blasons du haut, les ombres pourraient couper les blasons du bas et pour les essentiellement les combinaisons, ça peut les déranger. Voilà. C'est plus facile pour avancer plus vite. Moi je mets tout dans le sac. Il y a du vent, c'est ça. Ouais. Elle est dans le carton. Voilà. Ah oui, c'est l'échauffement là. Oh. Oui. Ils sont bien synchro tous les deux. Hein. Ouais. Hop là. Deux dehors, deux dedans. Alors, ils ont pris deux et donc ils changent de place. Ouais, il y a quatre. Une
Et 4 tas de pierre. Oh, ça descend vite, ça. C'est pas mal pourtant. Ouais, elles sont lourdes, elles sont lourdes. Je tire plus fort, elles sont lourdes. Ouais. Oui. Elles sont plus lourdes que les jaunes. Ah, je vois, j'ai monté la dernière. Je sais. Oh, il avait 4 pas. Grosse pression. Sur le bar, la pression. Pression pour la boire. Exactement. Bah toi si tu veux, non. J'arrive à temps, attends moi. On tire où? Ah, je suis à côté du loup. C'est la cible là-bas? Moi je fais le loup. Quoi tu fais le loup? C'est pas le loup? Ben non, c'est du hamster. Ah, c'est quoi alors? C'est la cible blanche, non? Mon Dieu. Richard, donc là, c'est... Ah bah celle-là, il n'y a pas de point. Il y en a quatre. Non, c'est quatre piquets, c'est quatre sur un piquet. C'est Eric qui tire sur le piquet du bout là-bas, et oui. Toi, Clara, tu tires celui du milieu. Donc vous faites un tir, après Eric, il se met là. Voilà, un à côté, toi tu es à côté. Là. Clara, après tu vas au premier de Eric, et Eric il continue au troisième, ainsi de suite, quatrième, et toi au deuxième. Voilà. Je sais pas comment. Toujours sur la même cible, hein? Ah bah bien sûr. Oui, toujours la noire. Sur le point noir? Ouais, le point blanc. Ah non, tu veux le point blanc, pas le noir. Oui, enfin, c'est tout ce que j'ai plus. Hein. Il y a la cible intermédiaire là. J'ai pas fait. Non, tu fais que la noire. Que la noire, c'est les quatre. C'est galère. Et un changeant de piquet, c'est quatre flèches. Ouais, c'est cool. Deux flèches à chaque fois. Hein. Non, mais une. Ça va bien. T'as fait. T'as arrêté là, hein. On va arrêter là. Non, vas-y. Ah, mais quelqu'un a dit à Clara que tu peux les tirer dans le carton. Je suis dedans, non? Attends, tu vas essayer toi. Maman. Ouais, parce qu'il se moque là. Il se moque, hein, mais. Ne moquez pas trop parce que vous allez voir. Là, les coins, pourquoi on pousse les coins? Peut-être qu'il m'a dit qu'il fallait aller dans la cible. Non, c'est pas moi, j'aurais pas osé, je t'aime trop. Au même endroit. Oh, vrai, putain. Là, tu tombes gaz en toi. Oh là là, mais grave. C'est débile ce jeu. Oh non. Tu vas te flipper. Non, mais c'est fait. C'est quand même mieux, mais t'as une team, mais elle est passée au-dessus. C'est vrai que